Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Savoir pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur la manipulation et la recherche. Dans cette leçon nous allons aborder les commandes qui vont nous permettre de localiser un fichier dans l'arborescence de Linux. Alors en fin de compte on utilisera au début la commande find, commande très ancienne mais très puissante qui va permettre de faire des choses assez intéressantes. Nous verrons que quelques subtilités, parce que croyez-moi cette commande est très très intéressante et quand on attaquera le script shell, on verra des choses très intéressantes. Euh, par contre, la deuxième commande, la commande locate, euh, commande qui est arrivée euh, un peu plus tard euh, sous Linux, celle-ci permet de récupérer euh, très rapidement euh, le fichier recherché car ce, si vous voulez tous les fichiers sont indexés. Donc on tapera la commande update db en mode administrateur si par hasard on ne trouve pas le fichier. Mais si simplement, dites-vous bien, que ça rajoute un numéro à chaque fichier trouvé. Ça permet très rapidement de trouver une information, un peu comme une base de données. Donc dans le chapitre 2, nous verrons les commandes sur la manipulation et la recherche. Donc en premier, on verra la commande find, qui permet de retrouver un fichier, comme je vous le disais à l'instant. Euh, la commande locate, là aussi, je viens de vous en parler. Donc équivalent à la commande find, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. On va dire que sa fonction primaire de find, effectivement, il n'y a aucun souci. Mais croyez-moi que Find est vraiment très très puissante. Wish permet de retrouver tout simplement une commande. Si vous dites, tiens, je voudrais savoir où se trouve ma commande ls ou cat ou je ne sais quelle autre. Ou tout simplement les commandes que vous aurez créées quand on fera du script shell. Là, vous verrez, on pourra savoir où elles se trouvent. Head, ça affiche en fin les premières lignes d'affiché. Head veut dire tête tout simplement. Donc je vais vouloir afficher, euh, par exemple, les dix premières lignes de mon fichier texte. Permet d'afficher les 10 dernières lignes du fichier parce que par défaut, si vous mettez pas d'options, vous aurez toujours le chiffre 10. Ensuite, on verra un symbole intéressant qui s'appelle le pipe qui va permettre de passer la sortie d'un résultat à une entrée. Là aussi, je ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai les choses de manière détaillée car c'est une information importante. Le pipe vraiment sera très souvent utilisé dans le script shell Et pour finir, on utilisera la première commande cat. Sera mélangé avec grep, c'est-à-dire que sera pipé avec grep. Là aussi, vous verrez comment retrouver en listant un fichier, comment retrouver tout simplement un mot, par exemple. Sans plus attendre, allons dans la console. Donc, on va commencer comme je vous disais par le premier mot. Alors, avant, on va voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. On se trouve dans HomeCGMR. J'ai fait en sorte de vous créer un petit fichier qui s'appelle extrait.txt. Donc, regardez. Voilà, il y a quelques, quelques informations, donc c'est simplement un, un copier-coller sur Wikipédia, je ne sais même plus lequel, mais enfin ça c'est pas le, le but de cette euh, leçon. Clear permet comme je vous disais d'effacer votre écran. Donc on va un petit peu euh, descendre d'un niveau afin de rechercher l'information. Et on va utiliser la commande find. Alors on va commencer en absolu. On va dire tiens, je veux, enfin compte, euh, je sais qui se trouve dans le site JMR, donc home slash slash site JMR. Pardon, Hop. donc là on dit qu'il est là, ensuite on dit le nom qu'on cherche, donc on va faire name, tirer name, et on va l'appeler extrait.txt. Et ensuite on va dire, ben, affiche-le-moi si tu l'as trouvé. Attention, quelque chose de très intéressant, là, ça va être rapide, vous avez vu Regardez maintenant si je fais la même chose, mais cette fois-ci, qu'avec la racine. C'est-à-dire qu'à partir de ma racine, donc euh, mon slash, j'aimerais que tu me le retrouves. Regardez, ça va prendre du temps. Peut-être que je ne vais pas couper la vidéo, on verra. Tout ce qui est permission non accordée, euh, c'est simplement une leçon que l'on verra euh, un peu plus tard sur les permissions des, des fichiers. Tout ce que vous voyez comme message qui apparaît, permission non accordée, euh, et ainsi de suite. C'est tout simplement euh, comme vous utilisez euh, bah, l'utilisateur. Hein, vous voyez bien, on a un dollar et non un jazz. il dit non, non, je suis désolé, là je ne peux pas le lire, je n'ai pas le droit car je suis qu'un utilisateur. Par contre, vous, vous pouvez le voir, je vais vous le signer pour que vous puissiez bien voir. C'est marqué slash home slash cgmr extrait txc. C'est parfait, il l'a trouvé. Donc, on fait maintenant un petit clear et on regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans home cgmr Alors imaginons, vous voulez savoir, euh, vous, êtes, vous savez que ce, votre fichier se trouve dans home, dans slash home slash cgmr Vous pouvez mettre tout simplement, tout simplement pardon, un point qui veut dire répertoire courant. Et si je lance, là aussi pareil, il le trouve. Maintenant, ce qui va m'intéresser, euh, c'est que vous pouvez exécuter une commande aussi. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc là, cette fois-ci, il va falloir le mettre ici. Entre guillemets. Vous voyez euh, On va laisser. Alors, le print n'est pas obligatoire. Hein euh, on le met des fois, mais ça dépendra si vous êtes sur Linux, sur Unix, et ainsi de suite. Ici, on va taper exec. Alors, attendez, j'ai oublié, excusez-moi, le petit tiré. exec. Et par exemple, on va utiliser la commande 4. Ensuite, on va dire je veux une accolade et une fermeture d'accolade. Et ensuite, je vais vouloir euh, le slash et le point-virgule. Alors, si je traduis, ça veut dire, je recherche-moi le fichier dans le répertoire courant, dont le nom est, entre simple quotes ou simple guillemets, extrait.txt. Une fois que tu as trouvé celui-ci, exécute-le avec la commande cat, donc en disant, ok, le. le le, entre accolade, ça veut simplement dire c'est le nom que je lui demander d'aller chercher, dans extrait.txt. Hein. Et ensuite, le slash, point virgule, veut simplement dire, ok, ben, fin, fin d'instruction. Donc là, y oui, on a une erreur, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez, vous dites au niveau d'excès qu'il y a un souci. Euh, tout à fait, parce qu'en fin de compte, vous voyez, j'ai mis un slash et c'est un anti-slash. Autant pour moi. Donc regardez maintenant, qu'est-ce qu'il a fait il a bien été cherché le fichier dans le répertoire courant donc c'est à dire que si on fait un pwd il va vous dire je suis dans home, dans slash home slash cgmr et ensuite il a bien été chercher le fichier extrait.txt il a exécuté avec la commande exec cat entre accolade anti-slash point-virgule donc anti point-virgule veut simplement dire je finis l'instruction c'est assez compliqué mais j'ai trouvé cette commande assez intéressante vous verrez on l'utilisera dans le script shell, voilà Une dernière information sur cette commande c'est que si vous mettez à la place d'exec, tout simplement OK, celle-ci vous dira, et vous posera une question, en fin fait, qu compte. Voulez-vous vraiment euh, exécuter cette commande? mais ben, vous dites oui, tapez yes, et voilà. Et celle-ci est exécutée. Regardons maintenant la commande, euh, locat. Donc, si je fais un locat extrait, il ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je voulais créer assez rapidement et la base de données ne s'est pas rafraîchie, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un... il n'a pas mis à jour l'index. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode super utilisateur. Rappelez-vous, il hein, faut taper su. Ici, vous tapez votre mot de passe. Évidemment, je me suis trompé, donc je recommence. Voilà. Et ici, vous tapez update db. Update db permet tout simplement de mettre à jour la base de données. C'est-à-dire, si vous voulez, votre, euh, tous vos fichiers sont indexés, et le fait de taper la commande UPDATE DB va permettre de mettre à jour toute cette petite euh, base de données. Et là, cette fois-ci, si je retape, alors je quitte le mode administrateur en tapant EXIT, je vais faire un CLEAR pour soit plus propre, et si maintenant je refais LOCATE EXTRAIT, il me le retrouve automatiquement. Alors là, vous voyez, je suis dans, euh, dans le répertoire courant. Imaginons je suis dans la racine. Cette fois-ci, je fais un LOCATE EXTRAIT. Il ne le trouvera pas, bien évidemment, mais moi il faut que je lui dise. Donc je dis ça. Vous avez vu, c'est immédiat. C'est là la grosse différence entre locate et find. Voilà, ça me paraissait important de vous dire ça. Ensuite, nous allons voir la commande wish. Alors imaginons, donc complétion, n'oubliez hein, pas, complétion c'est la c'est votre <tousse> touche tabulation. Et je mets ls par exemple. Alors il me dit, bah, ma touche ls se trouve dans le répertoire slash usr, slash bin, et c'est ici qu'on peut trouver la commande ls. Vous avez aussi un alias, c'est pour ça que quand vous tapez ls, par défaut, il vous met ls-color égale auto. Ça veut simplement dire qu'il vous ajoute de la couleur. Là aussi parce qu'on est sous un Linux. Vous seriez sous un Unix, euh, vous auriez peut-être pas la couleur. Il faut bien comprendre que toutes ces commandes c'était fait pour des consoles hein, et pas des Linux comme on a maintenant. Voilà, c'était la petite aparté. Continuons. Maintenant on va vouloir regarder. Donc je vais repartir dans mon répertoire comme CGMR. Cette fois-ci, je vais vouloir regarder mon fichier extrait. Par exemple, je vais regarder, euh, si je fais un 4 extrait, si on regarde bien le nombre de lignes que j'ai, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez maintenant, je vais faire un head, head qui veut dire, lis-moi les 10 premières lignes. Par défaut, si vous mettez rien, il vous met les 10. Et vous voyez bien, il manque des lignes. Pour revenir à la commande, add, pardon, pour revenir à la commande 4, vous pouvez faire l'option N, ce qui va numéroter vos lignes. Très intéressant. Vous voyez, on a bien 12 lignes. Revenons à Aide maintenant. Ici, je dis tiens, m'enjouer les trois premières lignes simplement. Donc je dis N, je mets ici 3 et j'exécute. Et vous voyez, il m'a affiché les trois premières lignes. Vous aurez exactement la même chose avec la commande tel, tel qui veut dire que, donc ce sera les dernières lignes. Si je fais un tel-n de l'extrait, vous avez les trois dernières lignes. N'oubliez pas de faire un man, si on fait un man de tel, afin de voir un petit peu ce qu'il en est. C'est là que vous pouvez voir ici que vous avez l'option, alors déjà, comme je vous disais ici, vous avez, vous euh, voyez, je le souligne, ça affiche bien les dix dernières lignes de votre fichier. Et ensuite, cette option euh, -n permet de sortir le nombre de, de lignes que vous demandez. Donc par défaut, c'est 10, mais si vous mettez 2, comme j'ai mis, ou 3, ou ainsi de suite, ça vous donnera moins de lignes. Pour finir, on va regarder donc, euh, la ligne, euh, le, le symbole pipe. Alors, comme je vous disais, on prend 4, on met l'extrait, et moi, je vais vouloir piper. Vous voyez alors, euh, je vous laisse regarder comment afficher ce caractère, parce que comme je suis sous un Mac, euh, je vous fais une formation sur Linux, mais comme j'ai un clavier Mac, euh, j'ai assez galéré pour trouver. Alors, au cas où, j'essaierai de vous faire un... Je verrai que mon professeur savoir pour tous, s'il peut vous aider pour vous donner des informations, mais là, comme ça, euh, je ne peux pas vous, dire, vous le dire. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai l'information, ne vous inquiétez pas. Donc, résumons. Je veux, en fin de compte, que celui-ci m'affiche tout le contenu de mon fichier, mais dedans, je vais chercher, par exemple, le mot reportage, tout simplement. Donc, je m'explique. Je veux lire le fichier extrait.txt, pipé, avec grep, ça veut dire recherche-moi le mot. Alors, moins i, c'est la case, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire la différence entre les majuscules et les minuscules. Par contre, si vous l'oubliez et que votre reportage est un grand R, il ne le verra pas. Enfin, il ne le trouvera pas. Le pipe veut simplement dire j'affiche mon fichier et au lieu de l'afficher sur votre sortie, il va le réinjecter dans l'entrée de, de, de grep. Ce qui va permettre de dire ok, j'ai lu mon fichier, maintenant je te le donne à grep et va me chercher ce mot. Ça évite en fin fait, de compte de perdre du temps et ça va permettre de chaîner euh, différentes commandes. Alors là dans le script shell vous verrez on pourra chaîner une, deux, trois, dix, vingt commandes pour faire des choses assez extraordinaires. Donc, regardons ce qui se passe et vous voyez on a bien le mot... Euh, en rouge qui apparaît, reportage. Il a bien retrouvé le mot. Là aussi, imaginons on voudrait rechercher que le mot reportage. Il existe une commande qui s'appelle wc qui permettra de retrouver ce mot. Mais ce n'est pas dans ce cours pour l'instant. Tout ça, vous verrez, on verra, on pourra faire, on fera des, des super petits programmes qui nous permettront de faire, de faire des choses très intéressantes. Voilà. Bon, ben bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur l'éditeur VI où on verra vraiment quelques bases afin que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne sachant que je pense que je vais plutôt utiliser Sublime Test, mais je ne suis pas encore sûr afin qu'on ait une couleur syntaxique et aussi une indentation qui nous permettra de rendre cela plus joli mais n'oubliez pas encore une fois que les gens qui travaillent il y a 20 ans de ça sous Unix euh, ou même encore maintenant sur certaines consoles, euh, n'ont pas de couleur, n'ont pas d'adaptation. Euh... Et bah, ils font avec et ils font des superbes programmes. Quoi qu'il en soit, euh, on verra ça euh, en temps voulu. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!